Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2020, que cette année soit remplie de bonheur, de santé, de réussite et d'amour aussi pour vous. Donc voilà, je tenais à vous présenter mes meilleurs voeux avant de commencer cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo sur des conseils pour faire pousser ses cheveux et pour entretenir des longueurs, puisque vous voyez que j'ai quand même plutôt de la matière. Donc voilà, c'est vrai qu'on me pose souvent des questions sur mes cheveux, sur comment j'ai réussi à obtenir ces longueurs-là. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions et je vais vous livrer mes petits secrets pour avoir une belle chevelure de princesse. Il y aura donc 10 conseils et je vais vous laisser maintenant avec le premier. Le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'arrêter tout ce qui est sulfate et silicone parce que c'est vraiment nocif pour vos cheveux et votre cuir chevelu. Je m'explique, en fait, tout ce qui est sulfate, ça va vraiment décaper vos cheveux. C'est comme si vous faisiez un gommage à vos cheveux tous les jours. C'est extrêmement abrasif déjà pour le cuir chevelu. Ça fait que le cheveu va produire d'autant plus de sébum, etc. Donc va graisser beaucoup plus vite. Et puis tout ce qui est silicone, ça va enrober en fait votre cheveu et ça va empêcher tous les soins que vous faites à côté de pénétrer dedans, donc en fait ça rend tous les soins inutiles et c'est vraiment dommage parce que si vous faites aussi des colorations, sachez que si vous utilisez tout le temps des produits à base de silicone, ça va tellement enrober votre cheveu que le cheveu va rejeter la coloration et donc vous faites des colorations pour rien puisque la coloration ne va pas tenir sur votre cheveu. Donc voilà, ce sont des produits qui sont très nocifs pour votre cheveu tout simplement et vous pouvez retrouver simplement en magasin des produits dans lesquels il n'y a pas justement ce genre de substance. Donc par exemple là je vous présente un petit shampoing que moi j'utilise, c'est un BC Bonacure de chez Schwarzkopf. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est composition des shampoings etc, je vous renvoie sur des chaînes comme celle de la petite Gabi qui explique vraiment bien comment ça fonctionne et comment éviter les produits nocifs sur vos cheveux. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'acheter des gélules de levure de bière ou de la levure de bière tout simplement. En général, vous retrouvez ça dans les magasins bio et puis dans tous les magasins d'aromathérapie, etc. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, ça va être des petites gélules à avaler. En général, c'est 2 ou 3 par jour. Vous voyez, ça se présente... C'est vraiment une petite gélule comme un médicament, quoi. La levure de bière, c'est connu pour avoir des principes actifs qui vont vraiment faire pousser tout ce qui est cheveux, fortifier aussi et favoriser la pousse des ongles, etc. Mais attention, c'est quand même un petit conseil à prendre avec des pincettes parce que effectivement faire des cures de levure de bière une fois par an, c'est bien, mais pensez que de la même manière que ça favorise la pousse des cheveux, ça favorise aussi la pousse des poils. Donc si vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver avec du duvet à des endroits auquel vous ne voudriez pas avoir du duvet ou des poils, essayez d'éviter d'en prendre trop de fois pendant l'année. Le troisième conseil, et qui me paraît assez évident, c'est d'essayer de limiter tout ce qui est source de chaleur sur vos cheveux. Donc quand je parle de chaleur, je parle de sèche-cheveux, je parle de lisseur, je parle de fer à boucler, etc. Parce que en fait, ça va tout simplement abîmer et cramer vos cheveux à long terme. Essayez de vous limiter à 1 ou 2 fois par semaine, parce que je vois parfois des copines à moi qui me demandent pourquoi leurs cheveux ne poussent pas, alors que elles utilisent un fer à lisser tous les jours. Donc évidemment, vous en doutez, ça a un effet assez nocif sur le cheveu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous munir d'un protecteur de chaleur. Donc par exemple, celui que j'ai, c'est chez Revlon. Donc c'est un produit 10 en 1 qui fait effectivement aussi protecteur de chaleur, entre autres, c'est aussi un soin. Donc voilà, ça va vous permettre de limiter un petit peu les dégâts si vous utilisez un protecteur de chaleur, mais dans tous les cas je vous conseille d'éviter. Mon quatrième conseil, ce serait de connaître votre nature de cheveux pour pouvoir utiliser des soins et des produits adaptés, parce que pour ma part j'ai des cheveux relativement normaux, mais comme ils sont décolorés etc, je vais faire des soins adaptés à mes cheveux colorés. Et par exemple si vous avez des cheveux de nature sèche, assez abîmés, et que vous allez utiliser des shampoings pour par exemple des cheveux regressant vite, ça va vous abîmer le cheveu parce que ça va encore plus l'assécher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas il faut connaître vraiment, essayer de faire un test en fait, essayer de limiter les shampoings déjà dans le temps parce que ça abîme les cheveux de se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, et donc laissez un petit peu vos cheveux tranquilles et vous allez facilement remarquer si vous avez tendance à avoir des pellicules, à faire des excès de sébum. Vous allez voir aussi si vous avez vos longueurs, vos pointes sèches, etc. Essayez aussi de demander à votre coiffeur ce qu'il en pense, mais dans tous les cas essayez vraiment de vous renseigner sur votre nature de cheveux pour utiliser des soins adaptés, parce que si
sinon bah, ça va avoir l'effet inverse et ça va encore plus abîmer vos cheveux et donc limiter la pousse et la croissance des cheveux. Mon cinquième conseil, ce serait d'éviter de s'attacher les cheveux trop souvent, mais de se les attacher seulement une heure par jour. Pourquoi une heure? Parce que quand vous les regardez attachés, en fait, ça va stimuler la circulation sanguine et donc ça va aider, ça va favoriser en fait la croissance de votre cheveu tout simplement. Mais la plupart du temps, si vous attachez trop souvent les cheveux, surtout si vous le faites de façon très serrée ou avec des élastiques qui ne sont pas adaptés, par exemple bah, ceux effectivement qui sont trop serrés ou ceux qui vont avoir, vous savez, un petit embout en métal sur l'élastique, ça va vraiment casser la forme de vos cheveux et donc ça risque de les fragiliser, surtout si vous serrez beaucoup trop, ça va en fait agresser vos cheveux, ils vont se sentir un peu bloqués, un peu étouffés et donc ça risquerait de ralentir la croissance de vos cheveux. Mon sixième conseil, ce serait d'éviter certains gestes du quotidien que vous faites probablement sans le savoir. Ça peut être par exemple dans la douche, je vois des fois des copines qui se sèchent les cheveux en les essorant comme ça, comme si c'était une espèce de torchon, ou alors en frottant avec une serviette, en frottant comme ça sur les longueurs. Alors effectivement, vous pouvez frotter un petit peu avec la serviette comme ça pour décoller les racines, mais surtout pas faire des mouvements comme ça ou les essorer, parce qu'à nouveau ça va casser totalement la forme du cheveu et le fragiliser, donc ça va ralentir la pousse. Également, quand je vois aussi des personnes qui se brossent les cheveux, vous savez, qui partent du haut, sachant qu'elles ont beaucoup de nœuds et qui forcent comme ça pour enlever les nœuds. Alors pas du tout, il faut vraiment commencer par brosser au bout pour enlever les nœuds et puis ensuite remonter comme ça, parce qu'à nouveau si vous faites ce mouvement là, ça peut être trop agressif pour vos cheveux et ça peut vraiment casser la forme, les fragiliser, et donc c'est vraiment des petits gestes tout bêtes qui vont pas du tout aider vos cheveux à être forts et donc à pousser plus vite. Pour les septièmes conseils, il s'agirait plutôt de faire tout ce qui est des soins, enfin des masques assez régulièrement, puisqu'un masque, vous le savez, c'est très nourrissant, c'est plus nourrissant qu'un après-shampoing, et donc c'est une texture, en fait un produit que vous allez laisser poser pendant plusieurs minutes. Parfois ça peut être juste de 5 minutes le temps de faire le reste de votre douche, ou ça peut être parfois pendant plusieurs heures, c'est très bénéfique pour les cheveux. Et donc vous pouvez faire des masques et aussi parfois des bains d'huile, c'est ce que je faisais à une période, des bains d'huile surtout de ricin, puisqu'on sait que c'est une huile qui favorise beaucoup la pousse des cheveux, etc. Et pourquoi pas aussi d'huile de coco, parce que c'est à nouveau, je pense que vous savez, une huile qui est très nourrissante. Et donc ce type de produit là, c'est bête, mais vous allez les laisser poser pendant que vous faites autre chose. Et faire ça à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, ça va vraiment fortifier vos cheveux, parce que ça va apporter des nutriments que vous n'avez pas forcément quand vous faites un simple après-shampoing ou un simple soin en spray ou je ne sais pas quoi. Donc ça va vraiment faire beaucoup de bien à vos cheveux, ça va les fortifier et ça va à nouveau accélérer la pousse. Mon huitième conseil, qui est assez controversé parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à le comprendre, c'est de couper régulièrement les pointes. On s'entend bien, couper régulièrement les pointes, ça ne permet pas aux cheveux de pousser plus vite, mais ça permet en fait d'éviter que, vous savez, vos fourches remontent, parce que les fourches, ça commence vraiment sur quelques millimètres, pardon, en bas du cheveu, et puis en fait, si vous ne les coupez pas, si vous ne les enlevez pas, les fourches vont grandir et vont gagner du terrain sur le cheveu, et donc ça va effilocher de plus en plus vos longueurs, et à long terme, en fait, ça va totalement abîmer vos cheveux. Alors peut-être que vous aurez des cheveux plus longs parce que vous ne les coupez pas, mais vous aurez des cheveux complètement cassés, complètement abîmés. Donc ça va vous faire en fait des petites queues de rat et c'est franchement pas très joli. Donc le mieux, c'est essayer de les couper en fait assez régulièrement. Couper juste 1 ou 2 cm, pas plus, tous les mois ou tous les deux mois. Vous aurez un résultat qui sera quand même plus joli à regarder et qui sera surtout meilleur pour la santé de vos cheveux. Je suis désolée, je suis obligée de bouger un petit peu le setup parce que je tourne avec la lumière naturelle. J'avais pas envie de mettre ma ring light alors qu'il faisait beau dehors. Mais du coup, le soleil bouge un peu, donc c'est un petit peu dur de gérer un petit peu la luminosité. Et donc pour mon neuvième conseil, bon c'est un conseil un petit peu contradictoire parce que je suis coupable un petit peu de pas trop le suivre, mais c'est d'essayer de limiter tout ce qui est coloration et décoloration, puisque vous vous en doutez, ça abîme vraiment les cheveux et parfois ça risque même de les brûler, surtout si vous enchaînez les décolorations. Il faut savoir que effectivement, moi j'ai les cheveux décolorés, j'ai fait plusieurs éclaircissements, donc ça c'est encore différent de la coloration, c'est beaucoup moins fort, mais j'ai fait qu'une seule décoloration et c'est aussi pour ça que mes cheveux sont pas trop abîmés, ça et surtout tous les soins que je fais à côté, parce que mes cheveux n'ont pas été aussi brûlés qu'une personne qui a fait 3 ou 4 décolorations.
Alors oui, je me doute que parfois on n'est pas satisfait de sa couleur de cheveux et qu'on a envie de la changer un petit peu, je comprends. Mais d'un autre côté, si vous faites vraiment toutes ces décolorations-là, essayez au moins de suivre un peu tous les conseils que je vous ai dit pour essayer de limiter la casse, de limiter les dégâts sur vos cheveux, parce que déjà que vous les brûlez, essayez au moins de soigner un petit peu, de prendre soin de vos cheveux et de les chouchouter un peu, parce que si vous continuez de ne rien faire pour vos cheveux, sachant que vous les abîmez beaucoup à côté, effectivement, vous allez vraiment limiter largement la pousse de vos cheveux parce qu'ils vont être totalement fragilisés. Et enfin, pour le dernier conseil qui me semble le plus évident et en même temps le plus dur à accepter, c'est qu'il faut être patient, parce que vous pouvez faire tous les soins du monde et vous pouvez appliquer tous les conseils que je vous ai donnés. Alors effectivement, ça va stimuler la croissance et la pousse de vos cheveux, mais ça ne peut pas être magique en fait. Vous ne pouvez évidemment pas passer d'un carré comme ça à ma longueur de cheveux en simplement une année. Donc voilà, ce serait mon dernier conseil, mais je pense le plus judicieux pour vous. Voilà donc ce qu'il en est pour mes 10 conseils pour stimuler la pousse de vos cheveux, pour les rendre plus forts et plus beaux, et puis tout simplement pour essayer de prendre soin d'eux et de les garder en meilleure santé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé ces conseils, quels résultats vous observez au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Je serais curieuse de voir ce que ça donne pour vous. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à commenter, à me donner votre avis comme d'habitude sur mon contenu. N'hésitez pas aussi à partager si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui aimeraient faire pousser leurs cheveux et les rendre plus forts et plus beaux. Dans tous les cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.